La première recommandation, avec laquelle je suis venu à Lille est bien plus qu'une recommandation. C'est un ordre. Il provient de ma femme. C'était de sourire et de regarder en face dans les yeux. Chose que je suis en train de faire, et c'est déjà une avancée significative en termes de relations humaines. Je suis très heureux d'être ici. Je ressens une immense responsabilité par rapport à la tâche qui m'incombe. Gérard Lopez, Luis Campos et Marc Ingla sont pour moi des collaborateurs au-delà de la relation hiérarchique qui peut exister entre nous. Et nous sommes là aussi pour favoriser la possibilité de bien travailler, d'avoir des résultats, de rendre le public heureux et puis d'exploiter tout le potentiel qu'offre le football en matière de beauté. Sans perdre de vue, bien évidemment, les résultats qui sont nécessaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans le cadre de mon intégration à ce nouveau projet. Je pense que ce que je peux apporter est en phase avec ce que la structure et l'organisation requièrent. Les installations sont parfaites. Las instalaciones son inmejorables et cela stimule pour le travail. Travailler avec Luis Campos suppose un apport très important et bénéfique quant à la constitution de l'effectif. Le football est fait d'un petit côté industriel et surtout de beaucoup de passion. C'est ce que j'ai retrouvé chez Gérard Lopez et Marc Ingla, et c'est ce qui correspond à ma vision du football. Se corresponden a con mis sentimientos. Ese tipo de concernant le recrutement, c'est le type d'information qu'il vaut mieux donner lorsque tout est concret et signé. C'est plus prudent. Cualquier décision que se tome haya sido efectivizada. À ce stade, nous en sommes qu'à l'étape du projet. Al momento no hay, son solo, on ne peut pas encore donner plus d'informations. Y no hay nada concretado. Tratar de pasar. Le style de jeu que l'on veut pratiquer, c'est attaquer le plus possible. Mais pour cela, il faut essayer de bien défendre. Si possible, dans le camp adverse et pas dans notre moitié de terrain. Et en maintenant le ballon le plus au sol possible.